Et salut et bienvenue pour un nouvel épisode de Zelda Skyward Sword. Zelda Skyward Sword sur Switch en HD. Bienvenue à vous. S'installe confortablement. On va faire un point sur le top tout de suite. Et le top! Le top Docteur Nintendo, peut-être avec 359 000 points. Deuxième top Torf, avec 320 000 points. Et troisième Big Matt, 206 000 points. Faire un point sur le Top Hours. Alors que je jarte les bottes quand même. Hein. Et premier Docteur Nintendo, 480 heures à 19 heures de la délivrance. Deuxième, moi-même, 436 heures. Et troisième top Torf. Allez, c'est parti, on se lance. On va essayer de terminer le galion. Je vous promets rien, mais on va essayer de terminer le galion. Je dis bien essayer. C'est parti. Salut Top Tof, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Alors, j'ai vu que tu avais acheté le jeu Flamecraft. Ça serait pas un mix entre les dragons et Minecraft par hasard? Il doit avoir au moins de la construction avec des dragons. Allez, c'est parti. Le galion. C'est pour maintenant, c'est pour tout de suite. Alors, je pense qu'il va falloir retourner dans le passé pour aller dans une salle. Ah oui, il m'a dit qu'il fallait que j'aille dans la salle des machines. Comment je fais? Faut que je monte là ou pas? Oui, c'est là qu'on monte. Il va nickel le Top Tof, eh bien, ça fait plaisir. Et comment il va le Docteur Nintendo? Bien le bonsoir Docteur Nintendo, bien le bonsoir Top Tof. Alors, dragon oui, mais c'est un jeu avec des dragons qui tiennent des boutiques et faut gagner de la réputation. Mais le craft il est dans quoi en fait? Le craft il est dans quoi? C'est ici là. Ici, il va falloir que je vienne dans le passé et que j'appuie sur l'œil. Ou alors, est-ce que je peux le faire maintenant? Je pense pas. Hein. Non, ça marchera pas. Faut que j'aille dans le passé obligatoirement. Et pour aller dans le passé... C'est pour ouvrir le trésor ici? Là aussi, il faut que j'aille dans le passé, c'est sûr. Il y a des trucs à faire dans le passé. Comment je sors? Ce donjon est assez bien fait. Hein. Dans le sens où... c'est plutôt sympa de... D'explorer un navire. Oh non, ils sont revenus. Oh putain, ils sont revenus. Il va falloir que je les bute tous. Oh putain, non... Ah, mais j'aurais dû faire ça tout de suite. Ils sont revenus, mais pas tous, je crois. Ils sont revenus, mais pas tous. Le craft, c'est savoir créer des ressources et mettre les dragons dans les bonnes boutiques. Et utiliser leur pouvoir pour améliorer les ressources. Je prends note. Donc c'est pas de la construction type modélisme. On est d'accord. Bon, c'était par où? C'était par ici. Mais je peux recommencer ici? Comment ça se fait? Je sais comment ça marche. Le craft, on est d'accord. Je vais essayer de faire un cœur.
Essayez de faire un cœur. Alors, essayez de ne pas me juger sur mon dessin d'un enfant de 6 ans. Mais on est plutôt pas mal pour le cœur. Est-ce que ça reconnaît les cœurs? Mais tous... Ça envoie des bombes. Mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien à ce type de dessin. C'était par où? C'était par où? C'était par où? C'est bloqué. C'était par où? On va essayer de passer par là. Hein. Je crois que c'était par là. Je crois. Oui, c'était ici. Bon, l'avantage, c'est que je peux le buter, lui, maintenant. Avec une seule flèche, ça suffit? Une seule flèche, ça suffit. Magnifique. Aujourd'hui, la star internationale d'un Mask Singer. Eh bien, Top Top, j'attends que tu nous l'annonces. Je pense qu'on va faire l'émission entière. Ah, je peux tirer comme ça, direct, non? D'accord. Et c'était celle-là, donc j'ai ouvert celle-là. Ok. Oui, c'est bon, j'ai compris. Je suis obligé de me positionner à cet endroit. Ça dégage. C'est bon. Ok. Donc ça veut dire que je suis obligé de me positionner là. Je suis obligé de me positionner là. Normalement, ça marche là, non? Magnifique. Ok, j'ai ouvert la porte de l'autre côté. Ça serait pas la salle des machines, ça, par hasard? J'étais obligé de venir dans le passé, je crois, exprès, juste pour ouvrir la salle des machines. Je vais pouvoir ouvrir dans le présent, maintenant. Je pense que c'est ça. Là, du coup, j'ai débloqué ici. Ok, et je suis bien... dans une des salles des machines. Et je dois absolument venir dans le passé. Très bien, je prends note. Et en face, c'est bloqué. Là, il faut... Là, je peux passer dans le présent. Ok. Ok. 320 000 points tout rond, monsieur Top Top, je vous félicite. Oh putain. Sans déconner, j'ai fait... Je me suis trompé dans ma manip, j'ai effacé mon gamble. Il y a comment pour faire ça, bordel? Ok. Alors. Ça. Ah oui, c'était pour ça. Oh, le gamble sang de Dr. Nintendo. Quel bonsoir, Dr. Nintendo. Alors, je suis obligé de retourner dans le présent. Ok, c'était pas là, le présent, je crois pas. Dans le passé, dans le passé. Je dis le présent parce que c'est neuf. Il y a une salle des machines ici. Faut passer comment? C'est par là? Comment tu fais pour arriver là? Une double salle des machines? Pas le même endroit là si je fais ça. Là, qu'est-ce qu'il me propose?
Ah non. Il y en a une là et une ici au bout. Ok, on va aller voir ça. Je sais pas s'il faut aller dans le passé pour les deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Réfléchissons. Là, on fait ça. Ce qui est bizarre, c'est que ça me dit bien. Putain. C'est génial. De l'autre côté. Cours pas longtemps tout de même. Alors, il me dit que là il y a une salle des machines, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Peut-être à l'étage en dessous, je sais pas. Bon, écoutez, on va retourner dans le passé. Pour voir ce qu'il en est. On va faire les choses par étapes. J'ai pas le bon item. On commence bien. Ok. Il a quand même un concept assez particulier, ce donjon. Faut être sincère. Ah, attendez, il y avait un trou là. Trou à gauche? Pas du tout. Pas du tout. Oh, j'ai pas vu le bateau. J'ai pas vu le bateau, Docteur Nintendo. Vous voulez gagner des points sans que j'en gagne? Vous ne me prévenez pas. Vous lancez un bateau. Donc ici, ils disent qu'il y a une salle des machines. Non, je vois rien. C'est bizarre. Et on va lancer celle-là et l'autre, on va passer par... Si j'en lance une, ça va peut-être débloquer l'autre. Verra bien. C'est ce que j'aime dans les Zelda, c'est vraiment ces phases de réflexion. Donc là, du coup, je peux y aller ici maintenant. Putain, il y a des ennemis. Oh putain. Ils m'énervent. Genre, eux, ils m'énervent. Eux, ils m'énervent, bébé. Mais profondément. Sérieusement. Alors, du coup. On est bon? Ah, d'accord, c'est bon. Je vais pouvoir passer de l'autre côté. C'est ça. C'est ça. Du coup, je peux sortir. Maître, comme l'avait dit le matelot, la salle des machines est opérationnelle. Mais enclencher un générateur ne suffit pas pour ouvrir complètement le couloir qui mène à la cellule. Je vous conseille de vous rendre au second générateur au plus vite. Mais où est le second générateur? Je crois que je dois passer par l'extérieur, c'est sûr. J'en suis sûr, je dois passer par l'extérieur. Sûr et certain. Ma main a coupé, les gars. Ma main a coupé. Ma main a coupé, c'est sûr. Ma main a coupé. Ma main a coupé. Alors, comment je passe par l'extérieur? C'était par où? C'était par là? Je grimpais? Je me tape tout le chemin? Avec tous ces chacalus au milieu? Ah non, c'était là-bas. C'était là-bas. C'était ici.
énervé, lui. C'était là. Ah, il y a une clé. Je n'ai pas de clé. Il y a une clé. Il y a en tout cas... une porte verrouillée, pardon. Très bien. Alors, on va essayer de récupérer ici. J'espère que c'est par là. C'est pas par là, je ne réponds plus de rien. J'espère que ça a déclenché quelque chose ici. J'étais bloqué par une espèce de piston. On verra si c'est ça. Ça sert à quoi de bouger le truc là? Ah oui, d'accord. Voyons, en allant là. J'atterris où? Attendez. Pas par là, c'est de l'autre côté. Et... comment je fais pour ouvrir cette porte, bordel? Bon, on va continuer de descendre dans les machines. Par contre... on va essayer de descendre dans les machines. Ah, attendez, mais elle est là! Ah, mais je suis obligé d'y aller dans le passé? Est-ce que je peux l'activer dans le présent, pardon? Elle est là, la deuxième salle des machines. Et je peux pas passer. Je comprends plus rien là. Je comprends plus rien là. Je suis obligé. Action, réflexion. Le WAM réfléchit. Ça, il va se briser les reins Link là. Il est resté bloqué en position. Je vise vers le haut. Voyons voir. C'est pas possible. Est-ce que ça marche déjà là? Oui, ça peut fonctionner. Je sais pas, je pense pas que je peux tourner l'interrupteur en phase. Je pense pas, hein. Je peux pas tourner l'interrupteur en phase ancienne. Phase d'aujourd'hui, pardon. Oh là là, mais je m'embrouille. Je peux pas le tourner, non? Et non, ça marche pas. Alors, comment je peux déverrouiller ici? Comment je peux... ah, mais il y avait l'interrupteur là. Oh, c'est Dr. Nintendo qui remporte le duel! Et vous savez pourquoi Dr. Nintendo a remporté le duel? Parce qu'il y avait zéro à jouer. C'est bon, j'ai trouvé, les gars. J'ai trouvé. Du coup, on va remonter, on va réactiver le truc, et ça va être bon. Et je vais pouvoir aller dans la salle des machines. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Alors, activation. En mode passé. Ok, on descend. On va faire ça. Ok, alors, on passe là. Du coup, je peux passer de l'autre côté en prenant les grandes portes. À droite. Et ici. Je pense qu'on a trouvé la solution, les gars. Je pense qu'on a trouvé la solution. Et c'est parfait.
Y a pas de mini-boss Y a pas de mini-boss dans ce donjon? Ah, mais le mini-boss, c'était le... C'était comment il s'appelle? C'était le squelette, bien entendu. Donc là, je prends ce passage-là. Pour aller en salle des machines. Puisque c'est le seul passage pour aller libérer les membres de l'équipage. Kidnappé, me semble. Alors. Là, c'est bloqué. Oui, donc on peut passer là maintenant. J'y vais maintenant, je suis un ouf. Là, on y va dès que ça remonte. Parfait. Ah, il nous demande d'utiliser le fouet. Ça faisait longtemps. Il y a quoi de l'autre côté, là? J'ai envie d'aller voir avant de me... Il y a quoi ici? Attendez, attendez. Il y a moyen de passer par-dessus. Je pense que c'est par-dessus qu'il faut passer. Ah, ça n'a pas marché. Il y avait un fouet. Il y avait un truc en haut ou pas? Est-ce qu'il y avait un truc en haut? Ah, je veux pas monter sur cette échelle, bordel. Possible, c'est bugué. Est-ce qu'il y a un fouet? Ah, c'est quand il est en haut. Eh oui. C'est quand il est en haut. Que c'était quand il était en bas qu'il fallait sauter. Oh, raccourci. Nickel. Et ça m'amène où, cette histoire-là? Il y a des rats. Référence. On va monter. Où ça me mène, cette histoire-là? Ah, mais je les ai libérés, cash! Tu es vraiment venu nous aider, je suis si content! Je vois que tu es venu sur ce bateau pour trouver la flamme de Nehru. Pour réanimer la flamme, il faut d'abord reprendre le contrôle du navire. La salle de contrôle est à côté de cette cellule, mais elle est fermée par une grande porte qui nécessite une clé spéciale. Rends-toi d'abord dans la cabine du capitaine, tu devrais y trouver la clé de la salle de contrôle. Direction la clé du boss, les gars, on va se taper un boss, ça fait plaisir. Et moi je fais un petit gamble. Pour te remercier de nous avoir libérés, je te donne cette clé. Ah, il y a une petite clé, oui. La clé de la cabine du capitaine. On peut accéder à la cabine du capitaine en passant par une porte à la poupe du bateau. C'est bon, je vois où c'est. Parfait. Bon, nous on met les voiles. Désolé, il va falloir que tu te débrouilles tout seul par la suite. Alors, par où je passe, là?
par là. Va descendre. Est-ce que t'as continué, Top Top, à regarder House of the Dragon par hasard? Et du coup, on va repasser par là. Ce sera plus simple. Pas s'embêter. J'ai pas encore vu le dernier épisode. Ah, t'as regardé quand même jusqu'à l'épisode 5. Donc t'as pas vu le 6. Ah, je pensais que tu t'étais arrêté. Oh, ça fait plaisir. Et oui, puisque t'avais dit qu'ensuite t'enchaînerais avec Game of Thrones. Bon, est-ce que je peux monter là? J'ai l'impression que je peux sauter. Oui, je peux sauter, magnifique. Oh bien, la salle des trois... Des cinq coffres! Bon, ça va être soit des rubis, soit des éléments de craft, hein. C'est sûr. Hein. Ah, éléments de craft. Sans rubis, exactement ce que je vous avais dit. Éléments de craft, sans rubis. J'ai jamais vu autant de coffres dans un Zelda. Hein. Sans rubis. Oh, on n'est pas bloqué à 1000. On peut aller jusqu'à combien? Éléments de craft, c'est sûr. Voilà. Je lis dans les pensées des concepteurs de ce Zelda. C'était par où le plus simple? Mince, tombé. Ah, donc t'as suivi, ça fait plaisir, Top Top. Et tu en penses quoi de la série? Il y a moins de violence quand même hein, dans les épisodes qui ont précédé le premier épisode. Tout de même moins de violence. Alors, la cellule du capitaine, tout de suite, Moussaillon. Ben, elle est là tout de suite, je crois. Il suffit juste de remonter là. Après, on aura droit certainement à... directement. Est-ce que le lance-pierre, ça marche par hasard? Le lance-pierre. Non, ça marche pas. C'est vraiment la flèche, quoi. Certains épisodes sont sympas, d'autres moins. Je suis assez mitigé. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, j'ai vu quelques reviews. J'ai vu quelques reviews de chaque épisode. Et apparemment, la saison 1, c'est simplement le prologue de tout ce qui va se passer. Attention! Attention, ça l'inconnu. Ça l'inconnu. La cabine du capitaine. Il y a quoi? Il y a plusieurs portes. On va faire un petit save. Parfait. Ah putain. Merci beaucoup Toskunk pour ton 8e mois de sub. Se rapproche tout doucement vers le membre soutien. Merci beaucoup Toskunk et bien le bonsoir. Comment ça se fait que j'étais dans le passé là? Non, attendez. Non, il faut que j'aille. Il faut que j'aille dans le présent. Oh putain, elle a fait péter le slot à 800 direct. Toskunk qui rigole pas.
Comment ça va, Toskunk? J'espère que tu vas bien. Ouh putain, le dragon Elie a failli sortir. Toskunk, attention, reste à l'affût parce que les vacances de la Toussaint arrivent à grands pas. Et donc, cela veut dire que les Smash Bros reviennent à grands pas également. Le vendredi. Ok, alors, du coup, je peux venir là. Putain, je les avais pas vus. Les scorpions de malheur. Ok. Je dois tout régler, je comprends pas. Je dois tout régler. Des hauts et des bas, mais ça va, merci. Ah, ben j'espère que c'est pas trop grave, en tout cas, Toskunk. Et après, j'ai envie de dire, c'est les aléas de la vie. Est-ce que je peux shooter ici? Est-ce que je peux... Oh putain, il faut que je le bute. Sinon, ça marche pas. Ça veut dire qu'il faut que je le bute comment? Si je peux pas... Si je peux pas rentrer... Si je peux pas rentrer dans le passé... Je pourrais pas rentrer ici. Je comprends pas. Oh, la clé du boss est là. La clé du boss est là, les gars. Oh putain, on est presque au boss, là. On est presque au boss. C'est fou parce qu'en fait, dans ce donjon, t'as la porte du boss qui est vraiment dans la première ou dans la deuxième salle. Et après, tu dois te débrouiller pour faire tout le reste. Action, réflexion. Si je viens dans le passé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y aura les éclairs ici. Donc, si je viens là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux pas tirer non plus là? Ah, je peux les buter avec les flèches peut-être. Voyons voir si c'est possible. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Je serai à l'affût, tutu! Ah, va falloir être à l'affût. À l'affût, Toskunk! À quoi tu joues en ce moment, Toskunk, toujours sur Elden Ring? D'accord. Est-ce que je peux les buter avec l'arc? Je ne pense pas. Je ne peux pas les buter avec l'arc. Et comment je fais pour rentrer? Comment je fais pour rentrer? Action, réflexion. Je fais des invasions de Dark Souls. Ah, il y en a beaucoup qui m'ont fait rire. Il y en a beaucoup qui m'ont fait rire. Est-ce que je peux monter ici? J'ai des gars avant toi, mon gars. Je ne sais pas, les gars. Là, je bloque. Je bloque. Jeudi, je ferai un récapitulatif sur les nouveaux monstres de la mage. Ah, je suis complètement d'accord, monsieur Dr Nintendo. Et surtout, à partir de quel niveau on pourra les suivre, ou en tout cas les attaquer. Je ne comprends pas, les gars. Attendez, alors si... Là, je peux pas rentrer. Il faut que je rentre et que je fasse quelque chose. Je sens qu'il va demander à son dragon préféré. Attendez, laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Et dans ces cas-là, je demanderai à notre dragon préféré de nous aider. Attendez, réaction, réflexion. Je dirai ça, je les ferai dans la nuit quand la mage sera disponible. Attends, ah, tu veux carrément les faire? Tu veux pas attendre Monsieur Wham?
J'ai un mauvais souvenir de ce bateau. Un mauvais souvenir dans le sens où tu l'as pas apprécié, ou un mauvais souvenir dans le sens où tu t'en souviens pas. C'est obligé que ça doit se passer au présent. Il y a quelque chose à faire au présent. Non, car je te l'ai dit, je fais toujours les monstres en solo en premier. Il veut pas nous attendre, le doc. Il veut pas les faire en découverte. Mais c'est tellement mieux de les faire en découverte avec le WAM. Alors attendez, attendez. On peut tirer à travers? Est-ce qu'on l'a... Oh putain les gars, j'ai trouvé. Putain, j'ai trouvé. J'ai trouvé les gars. Bon, je vais d'abord m'occuper de lui. Oh c'est magnifique. Oh, le coup de maître. Le coup de maître. Le coup de maître. C'était chiant d'avoir galéré une demi-heure au même endroit que toi. Mais j'ai trouvé. Impeccable les gars, parfait. Un boss s'annonce. Alors le boss, faudra certainement utiliser l'arc. Hein. Par contre, je me souviens plus du boss. Hein. Je me souviens plus du boss. Il y en a trois. Parfait. On t'a fait ça en mode bourrin. Hop là. Oh, j'ai cru que j'allais l'esquiver. J'allais vous dire, vous avez vu cette esquive murale? Elle a réussi à me toucher. Parfait. Magnifique. C'est... J'aime chasser avec toi. Mais avoir un défi d'aller en solo vers l'inconnu pour la première fois, pour la première exécution, c'est jouissif. Allez, messieurs, c'est parti pour le boss. Nous avons la clé du boss. Le pire, c'est qu'il donne la bonne réponse. Est-ce qu'il donne la bonne réponse pendant qu'elle tourne, là? Oui. Oui, il la donne. Je l'ai vu. Alors du coup, on peut sortir par là, directement? Est-ce qu'on peut atterrir à la clé du boss? Non. Par contre, j'ai rien, j'ai pas de fée, j'ai rien du tout. Je serai d'avis d'aller chercher des fées, mais on va y aller comme un bonhomme. On va y aller comme un bonhomme, les gars. Tais-toi, ta gueule. Pas que ça à faire. Aller en face. C'était là. On va s'asseoir. Je crois que c'est le boss de Yamate Kodasai. On va voir. Alors, déjà, c'était où? Je crois qu'il faut que je descende encore un étage. Faut descendre un étage. Je crois que c'était là, non? Vous allez voir qu'on va pas la trouver. On va pas la trouver. J'ai oublié de venir ici, mais j'en suis sûr que c'est pour un élément de craft. De récupérer ce coffre-là. J'en suis sûr.
Putain, un slot près. 5000 points pour Toskunk, les gars. 5000 points pour Toskunk. Alors, la clé du boss, la porte du boss, c'était en dessous. L'âge inférieur encore. Ouais, c'était là. C'était là. Ouais, c'était là. C'est bon. Parfait. Messieurs, c'est le grand moment. C'est le grand moment du boss. Je pense... Je pense que... Déjà que j'ai pas beaucoup de points. Ah, Docteur Nintendo, t'es le plus riche avec... T'es le plus riche avec... Monsieur... Avec Monsieur Toptoff. Alors, attendez. Bah, ça y est, hein. C'était très difficile, hein. C'était très très difficile de rentrer cette clé, bordel. Sans déconner. Vous m'envoyez fortement en bien aisance. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah oui! Ça y est, ça me revient. Et je l'avais... J'y ai pensé avant le galion. Et pendant tout le galion, j'avais oublié. On va faire quoi? On va faire plusieurs... Oh putain, d'accord. Ça penche là. Elle va me dire, Faye, il y a 75% que c'est des tentacules de monstres gigantesques. C'était celle-là. Clairement, de tout le jeu, l'information de Faye que j'ai préférée, c'est celle-ci. Maître Faye au rapport. Il est probable que ces tentacules appartiennent à un monstre gigantesque. Merci, Faye. Il est difficile d'évaluer la situation dans ces conditions, mais il semble que ce navire soit attaqué. Merci, Captain Obvious. Alors, de mon souvenir de 2011, je me souviens des tentacules, mais je ne me souviens pas de la gueule de la bête. La probabilité que ce navire sombre, si vous n'agissez pas, est de 80%. Servez-vous de la force sacrée pour vous frayer un chemin. Tu vois, là elle me le dit, donc là j'y pense. Ah, ça coupe carrément. Allons-y. Ah ouais, carrément, les tonneaux. Les tonneaux maintenant. Oh putain, l'eau maintenant. C'est pas mal, hein. Au secours. Ça penche beaucoup là. Oh putain, les tonneaux. Non, il y a des bonnes idées. Oh putain, les tonneaux, au secours. Non, il a réussi à m'avoir, ce chacalus. Attendez, il y a un truc qui bouge au fond. Est-ce que vous entendez le cri de la bête? L'eau qui monte encore. On va mourir. On sent que c'est pas vraiment chronométré et que c'est juste un script. La mort nous attend, Docteur Nintendo. Maître Link, fais au rapport. Je ressens une présence maléfique derrière cette porte. La probabilité que les tentacules qui détruisent le navire soient en fait
Les membres d'une créature est gigantesque et de 80... une créature gigantesque et de 90%. Entre celle, entre l'autre et celle-ci d'information, j'ai envie de vous dire, c'est les deux meilleurs du jeu. C'est vrai qu'une phase chronométrée aurait été sympa. Surtout qu'il y avait eu une phase chronométrée dans Ocarina of Time, hein. Quand tu quittais la tour, il me semble qu'elle était chronométrée, mais vous connaissez le WAM avec son Alzheimer, et peut-être qu'il se trompe. Ne sortez sur le pont que lorsque vous serez prêt. Ça veut dire qu'il y a un banc ? Il y a un banc ? Il y a quelque chose ? Il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc. Il y a un banc et de l'eau. Donc je suis obligé de sortir. Bon, hein. Oh, on y va. Révélation, la star internationale qui était dans le costume du chat était Tori Spelling, comédienne de la série Beverly Hills ou actrice de Scream 2. Ah, Tori Spelling, ça confirme. Ça confirme le très bon casting de cette année. Oh putain, oui, la tronche, effectivement. Face de poulpe! Monstre marin antique Tétagos. Alors, à mon avis, ça doit se jouer comme ça. Ça doit se jouer comme ça, à mon avis. Ouais, c'est ça. Avant de se prendre des coups. Attention. Hop là, on y va là. Parfait. Après, elle va sortir la gueule. Elle va sortir la gueule, non? Elle va sortir la gueule. Ou elle est pas contente. L'œil. Ah, ça maintenant. Ça. J'ai compris. C'est ça. En tout cas, elle est gigantesque. Est-ce que je peux y aller taper? Ah, c'est bien joué. T'as compris le gameplay, je pense. Elle va se recacher. Non, non, il y a quelque chose hein, sur ce donjon quand même aussi. Hein. Oh putain. Ah, m'a chopé. M'a chopé. Non. Secours. J'étais dans... Il est sorti. Il est sorti. Secours. J'ai vu venir à 10 km. Non, je l'ai pas eu. Oh putain. Elle est énervée. Énervée. Je vise comme un pied. Je vise comme un pied. Je vise comme un pied, bordel. Ah, c'est dur. C'est dur avec ce... Ah, je l'ai eu. Magnifique. Oh putain, dernière phase. Il me reste... Il donne des flèches un peu à un moment donné? Est-ce qu'il donne des flèches à un moment donné? Oh putain, elle est sur moi! Oh, il donne des flèches! Putain, mais il y en a trop là! Elle va revenir. Alors. Est-ce qu'on peut lui... De suite. De suite.
Oh, énervé. Oh putain, énervé. Oh, mais c'est pas possible! C'est pas possible! Mais c'est pas possible là! Mais c'est pas possible! Elle me dit non, elle me nargue. Elle me dit non, c'était mort. Oh putain. Ça veut dire que t'as pas réussi à m'avoir. Ah, c'est chaud. Mais il n'y a pas un moment. Mais c'est pas possible. Oui. Attention. Dites-moi que c'est trois fois. Dites-moi que c'est trois fois. Ouais! Oh, j'ai eu de la chance! Laissez-moi souffler. Quoi, c'est pas fini? Non! Au secours! C'est pas fini, au secours! Au secours, c'est pas fini! Mais monte, mon col! Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut faire la harpe? Non! C'est pas fini! Merde, j'ai plus de vie! Il y a une phase 2! Mais je suis dégoûté! C'est bon? Secours! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je la vois pas venir. Il faut que je fasse la... Il fallait que je fasse la... Comment ça s'appelle? C'est le fail. Il attendait que ça, Docteur Nintendo. Il attendait que ça, Docteur Nintendo. Je paierais un nullité gaming s'il était dans la boutique. Ça me fait penser à une arène de Soul Blade. Ah oui, exact. Exact. Exact, Toskunk. Je suis complètement d'accord. L'arène me fait penser à Phantom Hourglass. Bon, je vais aller chercher de la bouffe. Hein. Ah, faut pas déconner non plus. Je vais aller chercher de la bouffe. Hein. 22h33, moi je veux le finir ce galion. On va chercher de la bouffe. C'est parti. Parce que là, je reprends où exactement? Oui, je me retape toute la phase. Bon, laisse tomber. Je vais chercher de la bouffe. Ah non, c'est sûr. Il file pas une seule fée ici. Hein. Je sais pas où choper des fées aussi. De manière... Parce que dans tous les Zelda, t'allais choper des fées. Et c'est le seul où les fées, elles sont un peu aléatoires. Hein.
Est-ce qu'il y a une statue quelque part? La statue la plus proche, oui. Non, mais il y a pas de statue en extérieur, je crois. Ou alors si, en face. En face. Et je crois qu'on peut s'envoler, non? Mais t'es sérieux? Comment je fais pour monter, là? Comment que je fais pour monter? Je me rappelle même plus comment j'ai fait. Comment j'ai fait pour aller de l'autre côté? Je suis dans la merde. Si je peux pas aller chercher les fées, je suis foutu. Ça se passe comment quand... Ça se passe comment là? Là, je peux me barrer. Est-ce qu'il y a une... Non, même pas. Ah, mais ça va, c'est pas très loin. Et on va aller faire les sauvegardes directement. S'envoler. Retourner dans le ciel. Alors, sur la deuxième phase... Alors là, il m'a eu, hein, parce que j'étais sûr qu'il n'y aurait pas de deuxième phase. J'ai juste envie de dire que j'ai vraiment été surpris. Oh putain, j'ai même pas réussi à choper le truc, bordel. Tu veux faire un duel? Sachez, monsieur docteur Nintendo, que je n'accepte pas les duels à zéro. Parce que le Wham est un homme d'honneur. Alors, déjà, est-ce qu'il y a un nouveau bouclier? Il n'y a pas de nouveau bouclier. Il est triste. Je n'ai pas acheté. Qu'est-ce que je peux... Voilà, ici. Alors, je vais acheter deux potions rouges. Que je vais faire la potion de soin. Oui. Justement, aucun sous-enjeu. Juste l'honneur de la victoire. Moi, je veux l'honneur des points de Whammer, monsieur Dr. Nintendo. Je veux l'honneur des points de Whammer. Ok, et on va aller l'améliorer. C'est une famille businessman, hein, sans déconner. Oui. Combien ça coûte? 20 rubis. Donc, ah, c'est avec un papillon d'azur. Requis. J'ai tous les éléments ou pas? Putain, mais je peux même pas l'améliorer, bordel. C'est la déception. Bon, c'est pas grave, j'aurai quand même deux...
J'aurai quand même 2 potions. Déjà ça. Oh! Et je savais pas. C'était là qu'il fallait faire. Et il est pas activé ou quoi? Non. Il est pas activé. J'ai pas ramassé son... J'ai pas tapé le son cube. Alors, c'était le jaune, je crois. C'était le jaune. Si je me trompe pas, c'était le jaune. On va quand même vérifier. Il y a le jaune. Mais vous êtes riche contrairement à moi. Mais vous foutez de moi, Docteur Nintendo. Je crois que vous foutez de moi. Monsieur Docteur Nintendo. Ça sent le foutage de gueule quand même. Hein. Un petit peu. Tori Spelling, je suis assez surpris quand même. Hein. C'est ici que je veux aller, moi. Au port ancien. Il se fout de moi, Docteur Nintendo. Allez, go le bateau. Ok, je suis obligé de lui parler. Génial. Mais vous avez des preuves de ma soi-disant richesse? Votre richesse, elle est là, monsieur Docteur Nintendo. Et vous dites que je mens? Alors, du coup, c'était dans le futur ou dans le passé? Je ne sais plus. C'était dans le... C'était dans le passé, hein. Par contre, je ferai une save. Je ferai une save. Hein. C'était par là. Regardez-moi ces slots de crevards. Ils sont fourbeux, je te le dis. Ils sont fourbes de chez fourbes. Par contre, là, je ferai une sauvegarde manuelle. Et je reviendrai avec la sauvegarde manuelle. Il faut pas déconner non plus. Les slots, c'est tellement stressant. Et quand je sens pas un slot, je mets 10 pour faire avancer l'algorithme. Mais 1 ? Ah non, c'est 10 le minimum, effectivement. C'est 10 le minimum. Allez go, c'est parti. C'était bien fait, hein, l'animation des planches qui se brisent. Oh putain. On va bien y arriver. Il n'y a pas eu de numéro bonus. Attention, numéro bonus, il vaut cher ce soir. Hein. Il vaut cher le numéro bonus, les gars. Oh putain, je te l'ai esquivé sans faire exprès. De ouf.
Bon, elle m'a pas parlé une fois. Encore 18 heures et je serai à 400 000. Pourquoi, on avait dit quoi à 500 heures, Docteur Nintendo? On avait dit quoi? On avait dit 50 000 points de Whammer. Hein. Et ouais, 50K. Hein. Oh, mais à tronche qu'elle a, sérieux. Cette dédagos. Tu peux la shooter direct? Non, on peut pas la shooter direct. Est-ce qu'on peut les taper? Non, on peut pas les taper comme ça. D'accord. J'ai voulu vérifier quand même. Elle bouge pas trop au début. Pas si je lui ai mis assez de coups. Non, mais d'où il m'échappe. Ah bien, j'ai réussi à me défaire. Là, elle commence à taper. Mais c'est chaud. Faut que je... Ah putain, mais elle m'énerve. Elle m'énerve. Faut que je me mette prêt peut-être. Faut que je me mette prêt. Hein. Donc là, c'est la phase chaude là. Et depuis quand je sors sur le côté là? Pas réussi à couper. Mais elle me rend fou. Oh bien. Ok. On s'est vraiment bien débrouillé. Hein. Par contre, je pense qu'il va falloir faire l'attaque tournoyante. Hein. L'attaque tournoyante, là. Hein. C'est sûr. Allez, je me suis fait avoir comme un pigeon. Est-ce qu'il faut que je charge ? Mais je la fais, l'attaque tournoyante! Ce qui me laisse le temps. Même pas.
C'est même pas nécessaire. C'était même pas nécessaire. L'attaque tournoyante, c'était même pas nécessaire. Non! Putain, mais c'était même pas nécessaire. Putain, mais j'ai perdu que 3 cœurs là! Bien joué quand même! Merci pour le GG, Top Toff! On a perdu que 3 cœurs là! Le nuage de la mort. Le cœur de l'amour. C'est quoi ce truc? On enchaîne quoi? Ah, c'est pour la flamme, c'est vrai. Un cœur de plus, magnifique. La flamme, elle va... Ah oui, on va transformer l'épée. C'est vrai. Deuxième phase pour l'épée. Quoi ces vieux barésies qu'elle a, Faye. Les vieux barésies de Faye. Ça mérite un slot à 1000. Virer au bleu, je crois, non? Non, même pas. En recevant la flamme de Nehru, Faye s'est réveillée. D'accord, c'est quoi? C'est pour la détection, ça? J'ai plus de détection. Deux triangles de la Triforce. Maître, vous avez acquis la force nécessaire pour apprendre un nouveau chant. Je vous recommande de vous rendre dans le ciel sur l'île aux champs. Ah oui, l'île aux champs. L'île aux champs, c'était là où il y avait... On est d'accord, c'est là où il y avait l'énigme des trucs circulaires. Merci de m'avoir rendu mon navire. Il est en piteux état, mais on va réparer. Mais on va le réparer avec mes compagnons. J'espère que tu retrouveras celle que tu recherches. Bonne chance. Tu es le bienvenu ici quand tu veux. Bien. Écoutez, dans le ciel, hein, directement, on va aller chercher le coffre que j'ai récupéré, venant du cube de la Terre, et ensuite, ben, on va aller débloquer le champ. Alors,
Il est où le coffre? Le coffre est ici. On va mettre un marqueur. On va déplacer celui-là plutôt. Je ne sais toujours pas comment effacer les marqueurs quand même. C'est quand même bien, c'est quand même bien dommage. Hein. Ok. Parti. Et où? Où j'ai mis mon marqueur? Il est là-bas. Alors ça me fait peur parce que je ne vois pas d'île. Alors la roulette, je sais pas si elle est active. Toptov, tu te souviens si la roulette est active? Oui, je vois un PNJ. Attendez, elle doit y être. Ça doit être dans le trou de ce... De cette météorite. Oui, c'est bon. Attention. On fait pour y aller. C'est avec le grappin? Je crois que c'est avec le grappin, les gars. Me semble. Oui, c'est avec le grappin. Du coup, oui, on a le grappin. Et on peut y aller. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une sacoche, s'il vous plaît, une sacoche. Vous avez obtenu un médaillon de la durabilité avec elle. Ah, une médaille, pardon. Avec elle, l'effet des potions sera prolongé. Idéal pour les grands consommateurs de potions. Ça veut dire que ça me donne plus de vie, c'est ça? Comment je fais pour ressortir, moi? Ah oui, c'est un double grappin, donc faut faire ça. Et ensuite ça. Très bien. Non, elle n'est pas active car la personne qui s'y trouve cherche sa fille. Cherche sa petite roulette. Non, attends. Cherche sa petite roulette. Attendez, on va aller voir. On a 10 minutes. Faut d'abord faire la quête annexe. Effectivement, il est triste, j'ai l'impression. Tête baissée. Sniff, ma roulette est tombée sous les nuages. Je ne peux plus ramasser mon rêve à présent. Réaliser mon rêve, pardon. Rien ne va plus. D'accord, il faut que je trouve sa roulette. Et j'ai pas un détecteur pour ça? Il faut vraiment trouver la roulette par hasard. Hein. Donc je me situe où? Je me situe ici. Sa roulette est à l'anel, forcément, parce qu'elle serait tombée ici. Et donc si je vais dans l'anel, elle serait dans la fa... Dans le secteur du bateau. Ah, oh, c'est une quête compliquée, là. Alors, il y a quoi à gagner? Il y a des rubis. Des rubis. Des rubis. Des rubis. Beaucoup de rubis et des rubis. Des rubis, rien. Des rubis, des rubis, des rubis, des rubis, rien. Oh, il y a de fortes chances de gagner. Maintenant, si c'est pour gagner un rubis de 1, alors que tu joues 10, c'est un peu compliqué, hein. Le rubis bleu, t'es remboursé. Par contre, le gris, c'est 100. Et ici, à mon avis, c'est le jackpot. Bon, maintenant, on va aller voir... aller dans la tour du champ. On va passer par le raccourci. J'arrive à le choper. Je suis accompagné de mon escouade. Ça m'embête un peu dans le sens où t'es obligé de revenir à la tour juste pour que Faye elle chante. Et après ça... C'est presque du déplacement pour rien ça. Excusez-moi du terme. Allez. Oh, vont m'emmerder longtemps eux. Les nuages rendent très bien avec la HD.
Je sais qu'ils ont fait aucun travail dessus. Oh non! Secours! Lâché. Ah, on est bon. Go! Allez. Tout ça pour ça. Elle va nous faire un petit boléro, Faye. Peu inutile. Allez, c'est parti. Je vais vous chanter l'histoire de Faye. Avec grand plaisir. Attendez, c'est la statue qui chante. Maître Link, Faye au rapport. Au rapport, mais après mon gamble, Faye, parce qu'il faut pas déconner non plus. Oh, 41, j'aurais mieux fait de pas faire de gamble. Hein. Maître Link, Faye au rapport. Les mots de la déesse sont éveillés en moi lorsque vous avez utilisé l'éclat céleste sur l'emblème. Il s'agit d'un message pour vous. Toi qui poursuis ta quête des trois flammes sacrées, pour la troisième fois, ma voix va te guider. Vaste danse. Une flamme sacrée, encore tu dois trouver une dernière relique et te faudra gagner. Pour que te soit remis ce talisman sacré. Une exigeante épreuve. Tu devras sûrement. Le pouvoir des reliques, le chemin t'ouvrira et des flammes sacrées. L'éclat t'enchantera. Or, écoute ce chant dont les notes dessinent la porte de l'épreuve, celle du volcan ordinaire. Top Top, j'attends ton message de danse avec les stars. Ah, mais il y avait quelque chose à faire avec cette lyre là, franchement. Il y a 4 boutons sur la Wii U, sur la Wii, on pouvait faire, sur la Wiimote, on pouvait faire des notes, je suis désolé, on pouvait, et pas faire des gauche-droite. La force de Din, ou de Din, comme vous voulez, tel est le nom de ce chant puissant qui vous guidera, maître. Vous avez appris la force de Din. Non mais franchement, oh putain, elle a failli sortir la mécanicienne et les Toskunk. Sur une danse contemporaine, Link et sa partenaire, Faye. Putain. J'ai mémorisé la force de Din. Vous pouvez à présent détecter l'entrée de l'épreuve. Dirigez-vous vers le volcan d'Ordin. D'Ordin, plutôt. Bon, allez, go. On va au moins aller faire le trajet. Et on va s'arrêter là. Et on commencera le live avec une épreuve. Vous savez que j'appréhende les épreuves, hein. Je les appréhende parce que c'est des one-shot et j'ai peur de les foirer à chaque fois. Et ça, j'achète. Alors. Alors, la sortie est où? La sortie est là. Alors, tout simplement à la forêt. Hein. Où est la sortie, s'il vous plaît? Elle est là-bas.
Cassez-vous! M'emmerdez pas, m'emmerdez pas! Cassez-vous! C'est même pas un rubis, mon filet, sérieux! Mais même pas un rubis! Alors, Ordine, c'était quoi? C'était le vert. Hein. Il me semble que c'était le vert, Ordine. Hein. Il me semble que c'était la forêt. Hein. Beaucoup de tornades en ce moment-là. Hein. On fonce, on pique du nez. Ça serait vers où? Il va falloir la trouver l'entrée là. C'est le rouge? Ah oui, le volcan. C'est le volcan, autant pour moi. C'est vrai, tu as raison. Mais quelle erreur du joueur français! Mais quelle erreur! En plus, elle me dit le volcan! Parce qu'attendez, on a fait... Est-ce que vous pouvez me résumer les épreuves? On a fait l'épreuve... On a fait l'épreuve... de l'anel, on est d'accord. Dans le désert. L'épreuve de l'anel dans le désert. Mais on a fait quoi d'autre? On a fait quoi d'autre, s'il vous plaît? Je me souviens plus. On a... L'autre... La première épreuve, elle était où? C'était pas dans... au volcan? Que j'en sais, moi, où j'atterris, bordel. On va choisir vers le milieu. Non, on va choisir vers l'entrée, vers le temple du volcan. Parce qu'elle m'a dit vers le volcan. Nous sommes arrivés au volcan d'Ordine. À l'aide de la détection, vous pouvez rechercher l'entrée de l'épreuve qui vous permettra de trouver la flamme sacrée. Merci, tu es bien brave. Du coup. C'est où? Pas dans le volcan? Attendez. Bon, ça sera plus facile de tout descendre. Hein. Ça sera plus simple de descendre, les gars. Que de monter. C'est peut-être dans la phase avec le grand arbre. Oh putain. Oh, sans déconner! Par où on passe, là? T'es sérieux? J'ai tenté. Histoire de... Comment on fait pour descendre déjà? Ici? C'était là. Je suis planté une fois de plus. Hein. Je suis planté. Là, je vais mourir. Je vais mourir.
Bon, au moins, eux, ils ont pas la technologie. Hein. J'espère ne plus rencontrer ceux qui font l'électricité. Hein. Pas abuser non plus. On se rapproche. On se rapproche bien. Bon, je crois qu'on a trouvé, les gars. Je crois qu'on a trouvé l'entrée. Voilà, là je pense qu'il fallait faire des notes que de faire des gauche-droite avec le stick ou de bouger la Wiimote. Ignoble, ignoble, ignoble. Est-ce que vous l'entendez jouer de la harpe? Dans un instant, la révélation du singe. Non, fallait bien faire des gauche-droite avec la Wiimote. Mais oui, c'était pourri. Je suis complètement d'accord, Toskunk. Plantez votre épée au centre de la rosace. On va sauvegarder. Dans combien de temps top la révélation? Dans un instant après la pub ou dans un instant très rapidement? Donc en fait, je suis où là? C'était sur celle du milieu? Pardon, dans 5 minutes environ. De l'ours. Mais en fait, ils les révèlent quand ils les ont trouvés ou quand... Est-ce que c'est possible que des fois, ils ne trouvent pas? Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer avec le grappin, par exemple? Au secours, je suis brûlé les fesses. Y a pas un truc, on pouvait pas s'asseoir. Récupérer des trucs. Ici. Pas de secret avec des. Et tu vois aussi, franchement, je te dis la vérité, des fois, les emplacements des épreuves, je trouve pas que ça soit des lieux fortement symboliques de l'environnement. Des fois, ils ne trouvent pas, ça arrive à... On est à la saison 3, je crois, déjà, de Masked Singer. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas récupéré dans le coin? Quelque chose où il fallait le grappin peut-être. Non, hein. Je pense que c'est une des zones qu'on a le plus fouillé. Hein. Parce qu'on est pourquoi? Parce qu'on était bloqué. Hein. Souvenez-vous. Est-ce que vous vous souvenez de cette colonne vertébrale où Toskunk nous a vaillamment aidé? Faut faire le bowling, il me disait. Faut faire le bowling. Yo.
On va remonter. Comment je remonte? Par où? C'était par là? C'était par là. Ils ont eu quoi comme indice pour l'ours, Top Top? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme indice? Oui, je me souviens, flashback. On t'a fait criser là aussi, Toskunk. Hein. Pas une des premières fois d'ailleurs. Hein. On peut faire un morpion au pire. Ou on peut faire un haste. On peut essayer sinon de trouver. Le 8 ball, c'est quoi? Le 8 ball. Je sais qu'il y a une option 8 ball. Mais je sais pas à quoi elle sert. Je ne sais pas à quoi elle sert. Je ne sais pas à quoi elle sert. Vraiment pas. Je vais regarder, tiens, pendant ce temps. Ah, 8 ball, ça a marché. Il a dit « You would say no ». L'ours et l'animateur et chroniqueur Christophe Beaugrand. D'accord. Mais ils savent tous bien chanter. Hein. C'est la boule de cristal. C'est la boule magique. 8 ball, suis-je puissant? Ah, ah, d'accord. Attends, je vais lui mettre 8 ball. 8 ball. Attendez, mais faut dire en anglais quoi. Who is the best? Who is the best? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Who is the best? Sûr. Elle me dit c'est sûr. Non, tu peux dire en français. C'est une réponse au pif. D'accord, la 8 ball, moi je pensais que ça avait un lien avec la boule 8 du billard, Toskunk. Tu sais, la boule du 8, tu secoues et ça dit oui ou non. Alors attention, oh putain, il te répond oui ou non souvent. Ah ouais, d'accord. Et ensuite, on a quoi d'autre? Moi, j'aimerais une option où ça choisit un viewer au pif. Des réponses oui ou non, donc pose ce genre de questions. Je l'ai dans mon tiroir, la 8 ball. 8 ball. 8 ball. Suck. Not sûr. Pas sûr, elle m'a dit. Par contre, ce que je voulais savoir, c'est qu'il n'y a pas un timer ou un truc. Parce que normalement, dans le Cloud Boat, on a le Haste, on a le Gamble, on a le Media Share, la 8 Ball, le slot avec des points, le duel. Et on a l'emote pyramide et l'emote combo. Non, il n'y a pas de truc où tu choisis un viewer au hasard. Moi, je pense que ça aurait été cool, un genre de truc comme ça où tu choisis un viewer au hasard. Franchement. Sinon, 8 ball, c'est aussi un perso de GTA. Qui peut piéger ta bagnole d'explosifs. Oui, exact. C'est celui qui est avec toi en prison, je crois, dans GTA 3. Très bien. Bah écoutez, je vais faire un gamble pour terminer et faire le 27. Non, pas du tout. Allez, merci beaucoup d'avoir été présent lors de ce live. Merci beaucoup Top Top. Merci beaucoup Toskunk. Merci beaucoup Dr Nintendo. Je vous donne rendez-vous certainement jeudi soir pour la suite de notre aventure sur Skyward Sword, et on arrive doucement vers la fin là quand même. Hein. Merci à vous, à plus dans le bus.
avec toi dans le métro, à la revoyure, dans la voiture, et à jamais dans le tramway, bien sûr. Merci à vous. Je voulais faire le slot 1000. Je suis dégoûté. Au revoir, merci.